Salut les gars, c'est Algérie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment créer une équipe Liga BBVA. Donc je vais vous montrer ma Liga BBVA à moi. Donc, en gardien, j'ai choisi Diego Lopez. Il y a meilleur, il y a Valdés, Casillas, mais Diego Lopez il est vraiment pas cher. Ces stats sont corrects. Moi, Diego Lopez, je l'ai acheté 900. Voilà. Un Valdez, il coûte à peu près 20 000, je pense. Et Diego Lopez, je l'ai acheté 900. Voilà. Il y a une différence de niveau, mais une différence de prix aussi. Défenseur centre. À droite, j'ai choisi Adil Rami. Adil Rami, très bon joueur, un peu lent, mais 84 de défense, 84 de tête, c'est correct, c'est un bon joueur. Après, en défenseur centre gauche, j'ai choisi Puyol. Puyol, bah, 86, un peu lent aussi, défenseur centre, 87 de défense, 84 de tête, très bon joueur, mais un peu lent. Donc, défenseur droit, Joao Pereira. Voilà, c'est pour ça que Adil Rami. À droite, parce qu'ils sont Valence, ils sont de Valence tous les deux. 86 de vitesse, 76 de défense. C'est un. Il est rapide, mais pas très fort en défense. Ensuite, en défenseur gauche, j'ai choisi. Enfin, je vous conseille Fabio Contrao. Fabio Contrao, qui est joueur du Real Madrid, portugais. 82 de vitesse pour 78 de défense. Par contre, il est un peu cher. Ouais, 5700. Ouais, ça va. Après, Puyol, lui, je l'ai acheté 13 250. Ouais. En milieu centre, j'ai choisi Serge Busquets. Bah, il est pas très cher et s'il a des bonnes stats, plus un milieu défensif qu'un milieu offensif, pas très très rapide, mais un bon jeu technique et une bonne stat en défense. Et puis si on regarde, il coûte pas très cher. Si pour un 85 du Barça, ça va. Sinon, en milieu centre, vous avez aussi Song du Barça 83, qui est pas mal. Ensuite, en milieu droit, Jesus Navas, bien sûr. Bah, 92 de défense, 86 de dribble, 80 de passe, 1,85, rien à dire. Super joueur. Il est cher, par contre, il est cher. 13 500 crédits. Voilà, ça fait. Il est cher quand même. Mais bon, c'est à vous de voir après ce que vous voulez. En milieu gauche, j'ai choisi David Villa. David Villa, 79 de vitesse, mais c'est sur la carte, il va beaucoup plus vite en vrai. 85 de dribble, 87 de tir. Bon, tu peux mettre des frappes de loin, 25-30 mètres. Et puis, il me semble qu'il est, il est pas très cher, David Villa. 13 500, voilà, comme Navas à peu près. Ensuite, en M aussi. Bah, moi j'ai choisi Touran. Touran, qui est pas. Il est bon en dribble, pas très rapide. Il fait des passes. En fait, faut que vous le testiez parce que. Moi, je pense que c'est un bon joueur. En fait, je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Ensuite, deuxième MOC. Je pense que vous l'avez vu. C'est Kaka. Bah, Kaka, 80 de tir, 80 de passe, 85 de dribble. Pas très rapide, mais très technique. Une bonne frappe. Voilà. Et puis en BU, bah,
Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain qui est très très fort. Pas très rapide, mais très bon sur le terrain. Voilà. Et puis après, entraîneur, bah, ce que vous voulez. Moi, je prends 4-5-1 parce que c'est une formation 4-5-1. Je pense que cette équipe vous fera à peu près environ 50 000 crédits, 50 000 crédits. Parce que je comptera aux 6 000, 13 000, 500, 13 500, 13 500. Igor, il vaut rien du tout. Je l'ai acheté à 5 200. Donc voilà, c'était ma petite équipe de BBVA, de Liga BBVA. Voilà. Donc voilà. Bon, mettez des petits pouces verts et puis mettez des commentaires hein, si vous voulez qu'on fasse si vous voulez que je fasse quelque chose de spécial, des ouvertures de pack, des ce que vous voulez hein. Vous dites, et puis après des petits montages vidéo de début, des ralentis, des voilà. Bon, les gars, c'était Oui Algérie pour mon équipe Liga BA, et à la prochaine.